fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de fête, clôture du mois marial, fête de la visitation de la bienheureuse Vierge Marie. Grande fête dans toute l'église, fils et filles du bon Dieu, mais c'est également la fête de la chorale visitation de la cathédrale Notre-Dame de Victoire de Makoku. Bonne fête à la chorale visitation, bonne fête en tout un chacun de vous, fils et filles du bon Dieu. Deux femmes se rencontrent, elles vont être mères, fils et filles du bon Dieu. Bien que l'une soit vierge et l'autre très âgée. Pourquoi Saint-Luc apporte-t-il cette rencontre? Parce que dans le sein de la Vierge, la présence du Christ se révèle déjà par la joie qu'elle suscite. Fils et filles du bon Dieu, Jean, qui sera le précurseur de Jésus, tressaille d'allégresse. Et la vieille Élisabeth, qui le porte en elle, proclame comme Marie, le Seigneur est présent. Quant à la Vierge, elle chante son action de grâce pour le salut que son enfant accomplira. Fils et filles du bon Dieu, au moment de l'annonce à Marie, il est dit qu'Élisabeth en était à son sixième mois. C'est pourquoi la liturgie célèbre la naissance de Jean-Baptiste 3 mois après l'annonciation du 24 juin. Il convenait donc de célébrer la visitation entre le 25 mars et le 24 juin, fils et filles du bon Dieu. On le fait à la fin du mois de Marie. Oui, cette fête nous rappelle qu'en nous aussi le Christ est présent. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Si nous croyons en lui, nous manifesterons sa présence en vivant dans une joyeuse action de grâce, oh la joie, et en partageant sa joie avec nos frères, nos sœurs. Fils et filles du bon Dieu, sois toujours dans la joie. La joie, c'est une force qui déstabilise l'ennemi. Parce que celui qui te fait du mal à chaque instant, il veut te voir triste, fils et fille du bon Dieu. Voilà pourquoi relève ta tête. Dis, oh la joie, en ce jour, fils et fille du bon Dieu. Je fais choix du livre de Sophonie. Oui, Sophonie, le chapitre 3, verset 14 à 18. Ah, fils et fille du bon Dieu, réjouis-toi. Oui. La ville de Jérusalem, sanctifiée par la présence de Dieu dans le temple, est le symbole de Marie qui accueille en elle le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Cette présence est la source de joie, fils et filles du bon Dieu. Ne crains pas, ne laisse pas les mains défaillir, tes mains défaillir, le Seigneur ton Dieu est en toi, fils et filles du bon Dieu. Réjouis-toi, sois dans la joie, fils et fille du bon Dieu. Parce que le texte dit, le Seigneur a écarté tes accusateurs, a écarté tes ennemis. Le Seigneur est là pour toi, pour chacun de nous. Il a fait rebrousser chemin à ton ennemi, celui-là qui veut te faire du mal. Le Seigneur est là pour protéger ta vie, fils et fille du bon Dieu. Oui, en ce jour de fête, on n'aura plus à craindre de guerre, des attaques, des persécutions, parce que Dieu est là, fils et filles du bon Dieu. L'humanité nouvelle sera conviée à danser de joie avec son Seigneur, car l'amour aura eu le dernier mot sur la terre. Oui, ce sera le triomphe définitif du Sauveur au milieu des hommes, fils et filles du bon Dieu. Écoutons. Avec émerveillement, Dieu nous dire par son prophète, le Seigneur met en toi sa joie. Amen. Le Seigneur met en toi sa joie. Il te renouvelle par son amour. Il danse pour toi. Amen. Qu'est-ce donc que l'homme pour que Dieu se réjouisse ainsi à son sujet? Alors si Dieu se réjouit, sois aussi dans la joie, fils et filles du bon Dieu. Voilà, le cantique qu'Isaïe, le chapitre 12, va nous dire, laissons éclater notre joie, Dieu est au milieu de nous. Oh la joie, tocos de joie en tout un chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 11, verset 39 à 56. Heureuse celle qui a cru. La source de la gloire de la Vierge, celle qui explique tous ses privilèges depuis son immaculée conception jusqu'à son assomption, c'est sa foi totale en la parole de Dieu. Fils et filles du bon Dieu,
Oui, Dieu renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Et en tout premier lieu, Marie, qui s'est dite une humble servante, fils et fille du bon Dieu. Élisabeth est toute étonnée de voir Marie, la mère de son Seigneur, venir l'aider à préparer la naissance de Jean-Baptiste en assumant les tâches du ménage. La mère de Dieu se veut servante, fils et fille du bon Dieu. Au jour de l'Annonciation, elle dit « Je suis la servante du Seigneur ». Elle se fait servante parce qu'elle est venue rencontrer Élisabeth. Elle est pleine de grâce parce que ses grâces, elle ne les garde pas avec elle. Elle vient en chacun de nous pour nous partager ses grâces, fils et fille du bon Dieu. Reçois les grâces en ce jour par Marie, fils et fille du bon Dieu. Aujourd'hui, en ce jour de fête, ma Marie se présente encore de la même manière. Dieu s'est penché sur son humble servante. La mère agit comme fera son fils Jésus. « Je suis venu pour servir, dira-t-il, et non pour être servi. » Comme ils ont partagé le même souci de servir, la mère et le fils partagent la même destinée, fils et fille du bon Dieu. À certains points de vue, on peut dire que la résurrection de Pâques est celle de l'Assomption sans la réponse de Dieu à ceux qui ont voulu servir. Oui, la grandeur de Marie, Maman Marie, notre mère, ne réside pas d'abord dans des privilèges reçus de Dieu, mais dans sa volonté de servir, dans sa volonté de partager des grâces à chacun de nous. Oui, prions-la de nous apprendre à servir avec la même humilité, le même sourire de joie et la même délicatesse qu'elle, fils et filles du bon Dieu. Il est normal, fils et filles du bon Dieu, un petit enseignement, normal d'honorer la mère de notre Seigneur et Sauveur. C'est grâce à elle qu'il est venu parmi nous. Tous les âges me diront bienheureuse, Luc 1, 48, fils et filles du bon Dieu. Cet honneur est d'autant plus mérité que sa maternité ne fut pas seulement charnelle, mais aussi et surtout spirituelle. En raison de sa foi et de son obéissance exemplaire, c'est grâce à son oui, fils et fille du bon Dieu, de petite servante de Dieu, que le Verbe s'est fait chair en elle, fils et fille du bon Dieu. Il est écrit que Marie est honorée comme pleine de grâce par l'ange Gabriel à l'Annonciation, Luc 1, 26, et déclarée bénie entre toutes les femmes, bienheureuse parce qu'elle a cru dans les promesses du Seigneur, Luc 1, 44 à 45, fils et filles du bon Dieu. Encore dans l'enseignement, fils et filles du bon Dieu, prier Marie ne veut pas dire qu'elle prend la place de Dieu et qu'on l'adore, non, car il est évident que toute prière s'adresse essentiellement à Dieu qui seul nous sauve, nous sanctifie et nous pardonne nos péchés. Ceci n'empêche pas que l'on puisse demander à Marie, la prier bien sûr, de nous aider et de nous accompagner par sa propre prière en notre faveur, son intercession auprès de son fils, fils et fille du bon Dieu. La Bible nous montre ce recours à la prière d'autrui, c'est-à-dire prière d'intercession. Ce que fait Paul, intercéder pour tous les saints, c'est-à-dire les fidèles. Priez aussi pour moi, afin qu'il me soit donné d'annoncer hardiment l'évangile. Éphésiens 6, 18 à 19. Romains 15, 30 à 32. 2 Corinthiens 1, 11. Colossiens 4, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 3 à 1. Fils et filles du bon Dieu. C'est ainsi qu'on peut demander à Maman Marie, à travers cette fête de la visitation, de prier pour nous. La supplication fervente du juste a beaucoup de puissance, nous dira Jacques 5, 16. Un bel exemple d'intercession, Marie aux noces de Cana. Autre exemple d'intercession, celle d'Abraham, Genèse 18, 16 à 33. Et celle de Moïse, Exode 32, 11 à 14, fils et fille du bon Dieu. Oui, mais il faut se le dire, le Christ reste notre unique sauveur et médiateur. L'intercession de Marie et des saints n'est pas à opposer à celle du Christ, non, et à son œuvre de salut. Car personne ne peut rien faire de bon en dehors du Christ. Jean 15, 5. Tout ce que nous faisons dans la foi, nous le faisons par lui, avec lui, en lui, car nous sommes ses membres. Il est à la tête, fils et fille du bon Dieu, 1 Corinthiens 12, 12 et suivant.
Oui, l'unique but de notre mère, Maman Marie, est de nous conduire à Jésus dans l'obéissance à l'Esprit Saint, comme nos œufs de Cana. Elle intercède pour nous et nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Jean, le chapitre 2, fils et filles du bon Dieu. Elle continue à intercéder pour chacun de nous. Donc la dévotion, la véritable dévotion mariale n'a donc rien à voir avec l'idolâtrie. Non, fils et filles du bon Dieu. La preuve, ce sont les innombrables fruits évangéliques qui en découlent. Conversion lorsqu'on demande à la Vierge Marie, regain de la foi lorsqu'on demande à la Vierge Marie, la prière intérieure à la Vierge Marie, de la charité, bref, de la sainteté, de beaucoup de grâces dans notre vie. Fils et filles du bon Dieu, passe par Marie, tu trouveras beaucoup de fruits. Fils et filles du bon Dieu, comme on le dit dans Luc le chapitre 6, verset 43 à 45, on juge l'arbre à ses fruits. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Dias Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Saint-Genet de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipe, Yayo et Tokos, la fête de visitation en tout et chacun de vous. Merci Seigneur.